Christophe, qui est l'un des, on peut le dire, l'un des pères fondateurs de la BD. Et c'est par contraste avec tous ces nouveaux héros de la BD que je vous ai invité, Karadec, pour parler effectivement de la biographie de Christophe. Sous-titre du livre, le génial auteur d'immortel chef-d'œuvre, c'est vrai, le sapeur Camembert, la famille Fenouillard, le savant Cosinus. Alors, j'ai donc découvert, en lisant sa biographie, que c'était presque un savant. C'était il y avait l'esprit scientifique, c'était un professeur, un botaniste. Ouais. C'était pas un personnage sérieux du tout. Il est évident qu'être sous-directeur du laboratoire de botanique de la Sorbonne, sous le nom de Colomb, et puis choisir le pseudonyme de Christophe. Oui, déjà, c'est. Oh, bah, c'est une plaisanterie de normalien, oui, quand même. Ouais. Hein. Pauvre petit oiseau, sur la brume pleine, entre le ciel et l'eau. Moi, ce qui est frappant, c'est que chaque fois que je relis, je ris. Voilà, il est au milieu d'un carrefour d'influence, il influence des gens, etc. Donc son rôle est me semble très très important. J'avais 8 ans quand il me veut faire ça, et j'ai fait un peu la gueule, parce que je trouvais ça vraiment très 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 noir, très difficile, avec pas de bulles, juste les... Et moi je disais quand même déjà un peu de bande dessinée. Mais je suis quand même entré dedans, et ça m'a vachement plu. Et vous, Monsieur Georges Colomb, vos souvenirs de lecture ? Mon père m'avait abonné à une de ses publications destinées à instruire et en même temps à récréer la jeunesse française. Mais j'avoue, à ma honte, que ces belles choses me laissaient alors assez indifférent, pour la raison qu'elles dépassaient singulièrement la portée de ma jeune intelligence. J'aurais volontiers donné 4 ans d'abonnement pour une 20aine d'images d'Épinal. J'avais mauvais goût, je le confesse. Mais peut-être aussi ne savait-on pas, ou n'osait-on pas alors, écrire pour les enfants. Simplement des choses simples. Et le 19e, c'est lentement la constitution d'un domaine spécifique qui va être des publications pour les enfants. On commence à prendre l'enfance pour un monde spécifique avec... l'enfant est une personne particulière avec des besoins particuliers, ce qui n'était pas du tout perçu avant. On est à l'époque de Jules Ferry, scolarisation obligatoire, développement exponentiel de l'alphabétisation, découverte d'un public, mais il faut dire aussi d'un marché de jeunes. D'une certaine façon, on invente la jeunesse à cette époque-là. C'est tout à fait sérieux, c'est pas une formule en l'air. Et ce public-là, on va lui proposer des manuels scolaires. Là, c'est l'État qui contrôle, et Armand Colin joue son jeu avec d'autres, de la grave, achète, etc. Et puis, on va lui proposer des journaux. La BD, ça n'existe pas à cette époque-là. C'est rien, quoi. C'est juste des petites fantaisies de dessinateurs qui prennent une voie de travers. On considère généralement que Töpffer est l'inventeur de la bande dessinée moderne parce que c'est lui qui a l'idée de la séquence. Et quand on veut définir ce qu'est une bande dessinée, on en vient surtout à l'idée d'histoire avec une séquence d'images. Monsieur Töpffer a écrit « Ce petit livre est d'une nature mixte ». Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout, ensemble, forme une sorte de roman. C'est de la littérature en estampe. Christophe a une dette évidente envers Töpffer. Il la reconnaît puisqu'il y a une citation de Töpffer en exergue de la famille Fenouillard. Rit-on des choses spirituelles comme des grosses bêtises que dicte une folle gaieté ? C'est douteux. Esprit sur esprit, ça fatigue. Bêtise sur bêtise, ça désopile. Il était très très gai et racontait toujours des histoires gaies. D'ailleurs, toujours on parle des gais lurons. Il était de Lure, c'était un luron. Donc, monsieur Christophe, vous vous appelez Georges Colomb. Mm-hmm. Vous êtes né en 1856 à Lure, en Haute-Saône. Et votre père était directeur du collège. Vous avez eu une éducation sévère ? Quand j'étais tout petit, mes parents m'avaient placé sous l'autorité et la férule du maître d'école de chez nous. Quelque chose comme un instituteur à l'état larvaire.
Mais lorsque nous sortions de ses mains, nous savions à peu près tout ce qu'il savait lui-même, c'est-à-dire lire, écrire et calculer. En géographie, la grande affaire était d'apprendre par cœur les 89 départements français. Savoir son histoire consistait à connaître sans broncher les noms et les dates de toutes les batailles qui avaient ensanglanté le monde. Nous ignorions complètement les conquêtes sociales de la Révolution. Aussi, l'annonce d'un conflit possible entre la France et la Prusse n'eut-elle d'autre effet que de nous faire dire « Enfin, ça n'est pas trop tôt !» Et en 1870, les Prussiens envahissent l'Est et l'Eure. Et c'est là que vous avez connu le modèle du sapeur Camembert.